Saint-Esprit, inonde mon cœur, mon repos est parfait, quand je suis à tes pieds, doux esprit, inonde mon cœur. Inonde mon âme, doux esprit, inonde mon âme. Mon repos est parfait quand je suis à tes pieds. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Inonde mon cœur, mon repos est parfait quand je suis à tes pieds, Saint-Esprit, inonde mon cœur. Seigneur Jésus, vous allez en bien avant moi. Le Dieu vivant, Seigneur. Et comment mina boyo kamikoyo mon côté à côté à nos arabes. Il est écrit dans cette alliance, nous n'enseignera son prochain. Basso ton côté à mes parents. Mais tous seront enseignés de toi. Naza moté ité, Seigneur. Je ne suis pas un enseignant au Dieu. Yonde moté na boyo kamikoyo. C'est toi l'enseignant de cette alliance. Zoi maloba koyo, ma komani koyo yo otinda. Prends les écritures que tu as envoyées. Yomoko fongole la pisoya mona tine que toi adorer ta parole. Que toi-même puisses nous les révéler enfin que nous adorons ta parole. Ô régné à maître, du début à la fin, à prédication, paix à service, à vie sur culte. Que tu règnes à maître du début jusqu'à la fin de notre culte. À ton nom Jésus-Christ. La commune de ce Christ. Amen. Amen. Nous acclamons le nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a rien pour le Jésus-Christ, c'est à la mort, pour la mort. Que la paix de Jésus-Christ soit avec tout un chacun. Et le lot, vous allez, le deuxième jour, il y a silence, il dit aussi. L'enseignement de cette église d'Asie. Aujourd'hui, c'est notre deuxième séance de notre enseignement sur cette église d'Asie. Mais là, je pense que c'est le 4. Aujourd'hui, le 4 mars. Et par la grâce de Dieu, nous arrivons dans ma texte et Apocalypse chapitre 1er. Et par la grâce de Dieu, nous allons lire le texte d'Apocalypse chapitre 1er. On peut bander d'abord par le verset 1er, tiens, le verset 6e. Hein? Apocalypse, chapitre 1er, le verset 1er jusqu'au verset 6. Souci, on va les amis, mon con, on va se mettre pour comprendre qu'est-ce qu'est l'Église. Mon souci est que chacun de nous puisse comprendre qu'est-ce qu'est l'Église. Et ensuite, on va voir au côté de la chapitre 2e place, cette Église d'Asie. Et nous ensuite, nous entrerons au chapitre 2, là où nous parle de cette église d'Asie. Nous entendons la parole de Jésus-Christ. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ, à partir du verset 1er, tiens, le verset 6e. La révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs. Et moi, je vous dit, il y a Jésus-Christ, où nous avons apprécié, quoi tel ça. Les choses qui doivent arriver bientôt. Il a essayé de commenter. Et qu'il a fait connaître par la voix de son ange à son serviteur Jean.
lesquels a testé la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Et qui gardent les choses qui sont écrites. Car le temps est proche. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Et la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Qui était. Et qui vient. Et de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus-Christ. Les témoins fidèles. Les premiers-nés des morts. Et les princes des rois de la terre. À celui qui nous aime. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et qui a fait de nous un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. Au siècle des siècles. Amen. Aïkès, le nom du Seigneur est alloué, profondément. Nous nous rassemblons, que le nom du Seigneur soit loué. Nous avons pu sans amener merci parce qu'il y a assez péricopé ce temps. Nous rendons grâce à Dieu parce qu'il lui a plu de nous donner ce temps. Nous savons que nous ne pouvons pas obtenir ces moments par nos forces. La respiration que nous avons. La respiration que nous avons. L'écriture est lue dans Acte 17. L'écriture nous dit dans Acte 17. Les mouvements. Kuningana. L'être. Et la vie. Pepo moi. Et où t'as qu'il parle. Vient de lui. C'est lui qui t'a donné le mouvement. Si tu vis, c'est toujours lui. C'est pourquoi ton tombe la caille est en union. C'est pourquoi nous l'élevons en tout temps et nous nous rabaissons. Créez ma carrière à parier. Nous devons savoir qu'à part lui, il n'y a pas d'autre. C'est lui qui est tout pour nous. Dans un texte où il y a à partir d'Apocalypse chapitre 1er. Nous avons pris ce texte Apocalypse chapitre 1er. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. À partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Nous avons remarqué que les livres d'Apocalypse, le Seigneur a appelé Django, pour Jean a appelé Sango, cette église d'Asie. Nous remarquons que ce livre, le Seigneur l'avait donné à Jean pour qu'il puisse le donner aux sept églises d'Asie. À sept églises d'Asie, il y a les serviteurs de Dieu. Et dans ces églises, il y a les serviteurs de Dieu. Et Nakat Yakopé Sayango, Azotali Sali, Kamboline Zamba Sali Bisso. Et en donnant ce message, il montrait qu'est-ce que le Seigneur a fait. Alobi Kenzamba Sali Bisso, royaume et des sacrés. Il a dit que le Seigneur nous a fait un royaume et des sacrificateurs. C'est pourquoi nous disons à tout moment les textes, il y a livre, il y a l'Ecclésiaste. Les textes du livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 1er, verset 9 à 10. Dans Ecclésiaste chapitre 1er, 9 à 10. Et donc, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui se fait, c'est ce qui se fera. Dieu ramène ce qui est passé. Donc, l'enseignement de Dieu est ainsi. Deuxième témoignage, nous prenons encore un autre témoignage. Dans Ecclésiaste 3, verset 14 à 15. Dans Ecclésiaste 3, le verset 14 à 15. On est ici, j'ai reconnu que tout ce que Dieu fait, c'est la guérilla. Il n'y a rien à y reprocher. Rien à ajouter. Dieu fait
ici. Zambé a sala tambo. Enfin, on est prêt. Pour battre ou ma banda. Donc tu ne peux pas corriger l'œuvre de Dieu. Il n'y a rien à ajouter. Il n'y a rien à ajouter dans ce livre. Rien à retrancher. L'œuvre de Dieu est parfaite. Et à l'oubine verset 15, il a dit au verset 15, ce qui est a déjà été. Oyeza et si ezala. Donc, au moment où Jésus-Christ a prêché qui bon. Et Jésus-Christ aussi avait prêché ainsi. Dans Matthieu chapitre 24. Azorba, ce qui a été au temps de Sodome. Ah, ce qui arriva du temps de Sodome. Et qu'il y a aussi au temps un fils de l'homme. Arrivera aussi du temps du fils de l'homme. Prédication et le mot de ce qui a été. Et cette prédication voulait dire où est ça? Ce qui sera. Mais où est-ce qu'il y a un temps Noé? Donc ce qui était du temps de Noé. Et où il y a aussi le temps fils de l'homme. Arrivera aussi le temps du fils de l'homme. C'est ça l'enseignement. Il y a un mot là ici. Même tant que ma cousine qui est tienne ma part. Même lorsqu'on avait rendu un faux témoignage contre Étienne. Notre frère Étienne. Notre frère Étienne. Acte 6. Dans acte 6. Maintenant, on l'a amené devant les Sénégrants pour l'interroger. Atonie, est-ce que ces choses sont-ils ainsi? On lui a posé la question, ce qui m'a cabouamou et sa solo. A Bambi, maintenant, Oloba. Il a commencé à parler. Oloba, Étienne, l'écriture de lui a été plein du Saint-Esprit. Donc dans son exposé, il était plein du Saint-Esprit. Et l'esprit, où Azalaki Nayango, l'esprit qu'il avait, Moutaboye pour résister à mon père. Mais personne ne pouvait résister à cet esprit. Et il a mis d'abord la première lecture. Il a d'abord commencé par la première lecture. Et tous les sacrificateurs maîtrisaient bien. Mais remarquez l'esprit où Azalaki Nayango, mais remarquez comment l'esprit qui était en lui prenait les choses. Jésus mouvement au Ezalaki na Égypte au milieu des Israélites. L'esprit a pris le mouvement qui était en Égypte au milieu des enfants d'Israël. Le lingue Moïse a yaki pour visiter. Comment est-ce que Moïse était venu visiter? Première fois à Kouti, juif, hébreu, à Zobundana, égyptien. La première fois qu'il a trouvé un hébreu en train de se battre avec un égyptien. Et égyptien a amené hébreu après a boni égyptien. Il a tué l'égyptien qui maltraitait l'hébreu. Après, et après jour moussous, le jour suivant, il est revenu. Mais à Kouti, il a trouvé les deux frères hébreux en train de se maltraiter l'un l'autre. Et Oyazalaki pour persécuter Makasi Moussous. Et celui qui maltraitait son frère. Tango Yé Moïse a Pékissi. Lorsque Moïse les a exhortés à Moutoumokoana a Zongiseni Moïse Likamoupatié Moutouna. Et celui qui maltraitait son frère a interrogé à Moïse. Alors, qui t'a établi chef et juge ciel? Nani a-t-il yo mon condipé mon sang ici? Aujourd'hui, dans l'écriture, on est en moutoumon conda l'obi. Vous voyez, dans cette écriture, c'était une seule personne. Mais dans l'œil du Saint-Esprit, n'a pas été Étienne. Mais l'œil du Saint-Esprit dans les frères Étienne. Aujourd'hui, il faut expliquer à moi, c'est Moïse qu'ils avaient dit, à commission au pluriel, un seul homme. Qu'ils avaient dit. Mais c'était qu'une seule personne qui a dit. Mais il a pluralisé cette seule personne. Bon ami. Pourquoi? Tout un peuple d'Israël. Il avait besoin de faire de cet homme-là tout le peuple d'Israël. Alors, nous avons persécuté comme la parole de Étienne Jésus-Christ. Alors, celui qui est l'autre frère persécuté devient Jésus-Christ, le Seigneur Étienne. Alors, vous opposez tous au Saint-Esprit. Donc, c'est ça la manière pour ça, la lecture et l'écriture. C'est ça la manière de faire la lecture et l'écriture. Et tant que nous voyons, et l'obéir à vos amis, et lorsque nous prenons le langage de Dieu, dans Hébreux chapitre
chapitre 1er au verset 1er. Dans Hébreux chapitre 1er au verset 1er. On a parlé ici qui sont autrefois et de plusieurs reprises et de plusieurs manières. Nakala, nakubandila ebele, puis nakuzongela kama ebele. Donc, écriture, on a verset 1er, il y a Hébreux. Cette écriture du verset 1er de Hébreux chapitre 13 nous montre le Seigneur comment est-ce qu'il marchait avec le prophète. Le Seigneur réprimait les choses de plusieurs manières. Nous avons un témoignage parmi les témoignages. Nous prenons un témoignage parmi tant d'autres. Dans huit songes, il y a Pharaon. Nous prenons le songe de Pharaon. Dans Genèse 41. Dans Genèse 41. Alali a notina boutou. Il a eu un songe pendant. Premier songe, il a dit Bangombe. Le premier songe, c'était les vaches. A surtout qui n'en est qu'on a eu. Il s'est éveillé de son sommeil. Alali l'issue. Il s'est rendormi. À l'autre deuxième songe, banzété. Il y a un deuxième songe des épis. Et à la montée. Et puis il s'est réveillé. À sa ici, ma sage. Il a rassemblé les sages. Mais à nous qui a comprendre l'explication. Mais il voulait comprendre l'explication de ces songes. Sauf qui a eu songe ou en a amené à la faculté à science. S'il amène ces deux songes dans la faculté des sciences, la faculté de sciences va nous deux choses différentes. On dira que c'est deux choses différentes. D'ailleurs, Mangombe est lié à la science appelée zoologie. Donc, les vaches sont liées à la science qui étudie les animaux. Parce que les sciences sont liées pour la carte. Donc, la science qui étudie les arbres. Les arbres sont liés à la science, comme ce soit avec la botanique. Et les arbres liés à la science qui étudie les arbres. Voilà ce qu'on a dans la faculté de la science. Là, si tu amènes ces songes à la faculté. Mais t'as rien la faculté du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu l'amènes dans la faculté du Saint-Esprit. Quand Joseph a Tania. Lorsque Joseph a observé les deux songes. Elle dit si c'est quand l'élevé Pharaon. Bah, l'autre, il faut aller à l'autre. C'est une seule chose. Et ça t'attaque l'autre monde. Donc, t'es pas un zambé. Chez Dieu, Ngombe égale à Nzete. La vache est égale à l'âme. C'est ça, Zambé. Il y a un Ngombe n'a versé mon corps. Tu peux voir une vache. Parfois dans Genèse, on a Ngombe. Parfois dans Genèse, Zambé. Il y aura les pétangos, parfois on a Exode Nzete. Et le Seigneur peut les répéter sous forme d'arbre. Il y a beaucoup d'insistants. Il faut que la Bible m'accasse. C'est pourquoi nous insistons que tu dois prendre garde aux écritures. Dis les commandements dans nos langues que nous sommes pour expliquer en beauté. La Bible est écrite de manière que nous ne puissions l'expliquer. Donc, on a fait, nous ne sommes pas dans l'explication. Et nous puissions demander à lui seul de l'explication. Azui a la ici, Zacharie. Vase mon corps n'a chandelier et s'il y va. Il a montré à Zacharie un chandelier surmonté d'un vase. Et ça va même attirer des oliviers. Et de part et d'autre, des oliviers. La conduite pour la huile. Et le sept conduit pour lui. Dans Zacharie 4. Dans Zacharie 4. A tout nié lié pour le bali de Makambo. Il a posé la question au prophète, qu'est-ce que c'est la vie? Zacharie a dit. Le prophète lui répond. Qui le sait, Seigneur? Yondo Yébin. Allez, dans ma réponse, mon ami. Il aime beaucoup cette réponse. Aïe, pas Ézéchiel. Il vient chez le prophète. Ézéchiel 37. Dans Ézéchiel 37. A talissié les eaux. Il lui a montré les eaux. Aïe, bissié les eaux, les avec une amoua. Donc, Mikoua, moi, ça l'a dit dans le bois. Pourquoi il a présenté les mots dans le bois? Pourquoi il avait présenté ses ossements dans la vallée? Parce que ces eaux-là, d'abord, ils avaient dit battre normal, mais pas dans la montagne. Parce que ces eaux-là, c'était des gens normaux qui étaient sur la montagne. Dans le bas des obéis, ils ont précipité. Lorsqu'ils ont désobéi, ils furent précipités dans la vallée. Parce que la terre d'Israël, ça va comme la montagne. Parce que la terre d'Israël, c'est comme la montagne. Là, nous avons l'Exode 15. Là, nous allons le prendre dans l'Exode 15. Mais dans quoi t'as ici Ézéchiel? Mais lorsqu'il a montré au prophète Ézéchiel, a tout nié, fils de l'homme, il a posé la question, est-ce que ces eaux, et qu'on dit pour vivre les sous, ces eaux peuvent-ils encore revivre? Dis le Seigneur. Il a la réponse, voilà. Il aime cette réponse que tu puisses te rabaisser. Dit qu'elle aille, pêche-moi. Et tu puisses lui laisser le personnage.
que tu puisses les lever, que tu disparaisses. Amen. Na Matthieu 16, à partir du verset 13. Il a posé la question dans Matthieu 16 au verset 13. Les habitants de Césarée qui dit tant que Jésus. Ils ont commencé à répondre d'une manière ou d'une autre. Après, Atouni, Mango, et vous? Et puis il leur a dit, Pébino Cassi. Pierre a répondu. Pierre a répondu. Tu es le Christ. Vous avez Christ. Le Fils de Dieu vivant. Moi, l'Anzambé, la Momo. Le col a répondu bien. Comme il avait bien répondu. Zambé, c'est là où la gloire a voué par l'autre. Il fallait qu'il puisse l'arracher cette gloire. Pierre. Pierre. Les arrêts de ce n'est pas toi, Pierre. Ah, 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 oh, oui. Il est comme ça, bien aimé. Il va la chair et les centaines de péchés. Ça, celui-là, il a été péché. À la voie, ça va disciple, mon souci. Et ça, réponse à bien, mais il ne parle pas. Il dit à notre disciple, c'est une bonne réponse, mais elle ne vient pas de lui. Il y a un autre peu, ça va être toute la gloire. C'est pourquoi nous lui donnons toute la gloire. Tout qu'il n'y a pas toujours qu'il y a deux mois. Nous nous rappelons afin que lui soit télé. A son mérité vraiment la gloire en alliance. La gloire en toutes choses. Et Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que la carte n'a rien fait avec les Zambie. C'est qu'en tout cela, tu dois savoir quel est ça. Peut-être dans le jardin d'Eden, tel que c'est. Mais si on va venir répéter jardin d'Eden. Mais s'il veut répéter le jardin d'Eden. Alors qu'il faut répéter en forme une montagne. Au moins une montagne, ma vie. Il peut les répéter en forme de montagne. Mais yo moni olimotan à ce jardin d'Eden aujourd'hui à iPad. Mais toi tu veux méditer sur les jardins, tu prends ton iPad. Betty la concordance. Et tu. Et tu lettre J. La lettre J. Jardin. Jardin. Maintenant, ma pression, ma jardin, yon son la Bible. Maintenant, on te donne tout le jardin. Pour qu'on saute. Il nous dit qu'il y a des amis de plusieurs manières. Tu vas dire c'est ce que dit Hébreu chapitre 1. Quand on a là-bas, au début, tu peux voir. Au moni, Zambé, Azui, Alalisi, Adam, Tamazako, Binissa, Mokoua. Donc le Seigneur qui fait plonger Adam dans un profond sommeil pour tirer. Maintenant, la bannie pour travailler mon cou à poids de Nissamoise. Maintenant, il commence à travailler lorsque faire sortir la femme. Aux hommes, pour travailler, poids de Nissamoise. Pour faire sortir la femme. Mais avant qu'il faut répéter d'une autre manière. Mais il peut le répéter d'une autre manière. À travailler, tu as dit Nissamoise, à m'aimer pas, il y a Adam. Après, il amène. Vers l'homme amen. Maintenant il a répété un peu. Maintenant il veut le répéter. À suivre, il prend ceci. Dans Genèse 5. Dans Genèse 5. Verset 24. Le verset 24. Enoch marcha avec Dieu. Enoch a tamponné en Zambé. Parce qu'elle n'est pas en Zambé. Parce que chez Dieu, marcher. Au tableau là. Et qu'on gagne faire un service. Et semblable aussi à faire un service. Remarquez dans Luc 13. Remarque dans Luc 13. À partir du verset 31. À partir du verset 31. Il a 33. Jusqu'au verset 33. Baïdissié, l'ongwa awa. On lui a dit quitte ici. Parce que Hérode a l'ingé à Boumaé. Oui, que Hérode veut te tuer. Il y a ici, Baïdissié, qui copie c'est ça. Et il a répondu à ceux qui avaient va dire à Serena. Je fais les miracles aujourd'hui. Demain, lobby. Le troisième jour, j'aurai fini. Maintenant, il a répété faire. Maintenant, il veut répéter le verbe faire. Il faut que je marche. Aujourd'hui. Lélo, demain, l'homme et le troisième jour. La grammaire marche dans faire et essayer. Dans la grammaire française, marcher et faire, c'est très bien. Et par exemple, zéro comment. Mais chez Dieu, c'est une même chose. Au moment où on a d'abord ça, la Ève. Ouais, comme il faisait former la femme d'Ève. Azo ça là. Donc il faisait former. Et au cas il a marché, Dieu marcha avec un homme. Cela est semblable à la marche de Dieu avec un homme. C'est pourquoi lorsqu'on montre, on parle de notre homme. On nous a pris comme un homme le septième et nous sommes la femme. Dans Jude. Dans Jude.
Dieu bénisse. Amen. Alors, nous sommes dans le cas de que les hommes à répéter et l'autre à balolengezique. Tout ceci pour te montrer que le Seigneur répète une chose de plusieurs manières. Il y a autant de textes dans son Apocalypse. Hein? C'est pourquoi lorsque nous avons lu notre texte d'Apocalypse 1, hein? Qu'est-ce qu'on a vu? Lettre et Apocalypse. La lettre d'Apocalypse. Et Pessani Pona et cette église. Fut donné pour les sept églises. Et les sept églises, voilà. Et ces sept églises. Et ça, Bokonzi, royaume. Donc c'est tout un royaume. Il y a un sacrificateur. Les sacrificateurs. Il y a un il faut qu'on parle dans ce qui a été délimité. C'est pourquoi nous devons voir dans ce qui a été, comment est-ce que les choses étaient. Nani Kamboui a sacrifié. Donc en ce qui concerne le sacrifice. Pour sacrifier. Donc, sacrifié. Dans notre définition, moi et pas il y a papa n'a mis son Abraham. Nous prenons la définition chez notre père Abraham. Quand le Seigneur a dit ce qui est qu'il a sacrifié son fils. Lorsque le Seigneur lui avait dit de sacrifier son fils. Son unique. Genèse 22, toujours verset 4e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 4 et 5. Le troisième jour, Abraham leva les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque là pour adorer. C'est ça, Abraham a voulu la sacrifier, veut dire adorer. C'est ça, Abraham qui appelle sacrifier adoration. Donc, ce qu'ils avaient amené son royaume à sacrificateur, si le Seigneur nous appelle royaume des sacrificateurs, cela veut dire la sacrifice adorateur. Cela veut dire qu'il nous a fait des adorateurs. Mais il faut n'ayez pas boire. Mais tu dois savoir ceci de ton côté. Quand nous avons azui Israël en Égypte. Lorsque le Seigneur a pris Israël de l'Égypte. Après ça, un calendrier nous. Il lui avait donné un autre calendrier. Parce que le calendrier a dit le fin de l'année Zaranamas. Parce que selon le calendrier de la Bible, c'est le mois de mars qui est le mois du fin de l'année. Calendrier différent là-bas, nation. Vous avez reçu un calendrier différent de toutes les nations. Parce que le Seigneur a cédé la vie pour faire sa calendrier, moko, et ça l'a lié na mûrissement là-bas, orge, na blé, et espéré. Parce que le Seigneur avait donné un calendrier qui devait être. Donc, ils avaient qui lié par rapport à Yamakamouya Chant. Donc, c'était lié par rapport au blanchissement des plantes. Donc, par rapport à Kokombele Yambouma. Donc, par rapport au mûrissement des produits dans le champ. Bon ami. Pourquoi Israël, les allait-il Bambouma, Oyo et Kombele, qu'est-ce qu'il y a Yakoubouka, l'Égypte. Israël était comme des. Oui, qui avait mûri que le Seigneur devait venir cueillir. Ne sont pas tant Exode 12. C'est pourquoi en lisant Exode 12, Alobi, c'est moi-ci. Sansa Oyo sera pour vous tous. Et vous aurez pour la dénomination. Les premiers des mois de l'année. Sansa Yaliboso Yamobu. Wanande Tolobaka. C'est là que nous disons. L'agneau véritable et pèse la nouvelle naissance. Le véritable agneau donne aussi la nouvelle naissance. Parce que Moutoyo Azanetina, 40 ans. Parce que c'est lui qui avait comme 40 ans. Jour Wana Moni Eza, Otami Sousoussi. Ce jour-là, il s'était vu naître de nouveau. Parce que pour Nabango Ezala qui premier des mois de l'année. Parce que pour eux, c'était le premier mois de l'année. Tozotala, Zambé Atia, ma sacrificateur. Aaron n'a pas nanaï na service quand nous voyons quand est-ce que.
que le Seigneur avait établi Aaron et ses fils comme des sacrificateurs? Réponse est à la deuxième année. La réponse c'est à la deuxième année. Depuis sorti na bango na Égypte. Depuis leur sortie du pays d'Égypte. Nous avons l'écriture nulle. Nous sommes dans quelle écriture? Exode 40. Dans Exode 40. Ce qu'on suit à partir du verset 9, dit même dans verset 16, Bazo Wendre Aaron na Bananaye. À partir du verset 9, on voit Aaron et ses fils. Oui, à verset 12, il dit, tu feras avancer Aaron et ses fils. Donc on pousse à Misa Aaronapé na Bananibali. Vers l'entrée de la tente d'assignation, le verset 12, et tu les laveras avec de l'eau. Écriture de Sala que Jésus a coté en main. C'est cette écriture qui avait fait que Jésus puisse. Jean-Baptiste a baptisé. Et Jean-Baptiste l'avait baptisé. Pour Sala, mis à part. Pour qu'il soit mis à part. Qui revêtira Aaron des vêtements sacrés? Qui l'oindra? Et qui le sanctifiera? Pour qu'il soit à mon service dans les sacerdoces. Qui fera approcher ses fils? Et il les répétira des timides. Matambo et Salema qui quand? Quand est-ce que ces choses s'étaient passées? Dans le verset 16 à 17. Le verset 16 et 17. Toujours Exode 40. Exode 40. Moïse fit tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Il fit ainsi. Les premiers jours du premier mois de la seconde année, le tabernacle fut dressé. Ils allaient même jour où il m'a consacré Aaron et ses fils. C'était le même jour qu'on avait consacré Aaron et ses fils. Donc, pour mon sacrificature, on a vu la sacrificature et Bandaki na deuxième année avait commencé à la deuxième année. Maintenant la première année. Maintenant dans la première année. Aaron Azalaki Nani. Qui était Aaron? Réponse nous avons dans Exode 4. La réponse nous l'avons dans Exode 4. Le verset 15 à 16. Le verset 15 à 16. Azalaki la bouche de Moïse. Aaron était la bouche de Moïse. Parce que Exode 7, verset 1er. Parce que Exode 7, le verset 1er. Zamba Salaki Moïse comme Dieu. Le Seigneur avait fait de Moïse Dieu. Et Aaron son prophète. Et Alona Moussakolinaye. Parce qu'il faut y baguer. Parce que tu as comme Aaron Azalaki bouche. Comme Aaron était la bouche. Il y a Moïse. De Moïse. Il faut imaginer Jésus qui sépare l'abondance du cœur de la bouche parle. Donc, Aaron appellera Moïse son cœur. Donc, Aaron appellera Moïse son cœur. Vous aurez un amalam. Amen. Parce qu'avant que la bouche ne parle, vous aurez un abonnement à côté. Parce qu'avant que la bouche ne parle, il prendra les choses dans le cœur. Donc, les avocats, c'est qu'au moment où Aaron et Moïse ne sont pas tous malés. Donc, tu pourrais voir Aaron et Moïse comme deux personnes. Ils allaient amener pour tout le monde. Mais ils étaient une seule personne. Il y a beaucoup de monde qui. Aaron Azalaka est né à Moïse. C'est tout un enseignement. C'est pourquoi Aaron était l'aîné de Moïse, que c'est tout un enseignement. Parce que Omami, au commencement, était la parole. Mais la parole était menée avec Dieu. Parce que Moïse est Dieu. L'aîné d'abord. Donc l'aîné. On tout un enseignement. Les alités à Moïse. Mais Simba Awawake. Mais saisis d'abord ici, bien aimé. Sacrificature, la sacrificature et Badaka la deuxième année avait commencé à la deuxième année, la première année et non à la première année. Mais maintenant, quand vous êtes dans l'Exode 19, maintenant, lorsque tu lis dans l'Exode 19, Nathalie n'a pas bon à Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ à partir du verset 3, à partir du verset 3, tiens, verset 5 jusqu'au verset 5, Exode 19.
Moïse monta vers Dieu. Et l'Éternel l'appela du haut de la montagne. En disant, qui parlera ainsi à la maison de Jacob? Et qui dira aux enfants d'Israël? Vous avez vu ce que j'ai fait en Égypte. Et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle? Et amenez vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est un grand secret, l'obéissance. Si vous obéissez au Seigneur, si tu obéis au Seigneur, pourquoi appartenir à lui? Tu lui appartiendras. Donc cela veut dire oh, union sur le Seigneur. Cela veut dire tout ce que tu lui demanderas, il exaucera. Vous serez pour moi un royaume des sacrificateurs. Et une nation sainte. C'est voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc, ici nous remarquons bien. Le Seigneur a fait si bango promesse. Le Seigneur leur a donné la promesse. Et ceux qui va obéir, s'ils obéissent, à cause de la kebaza va comme un royaume des sacrificateurs. Verra qu'il soit comme un royaume des sacrificateurs. Les mêmes jours, Wana. Mon colouana tata. Aïe, dit ce qui Moïse, et il dit ça va se sanctifier pendant 3 jours. Il avait dit à Moïse de leur dire de se sanctifier pendant 3 jours. Maintenant, le troisième jour, Simon Colabis a dit, Zambaloni a Koya. Le Seigneur a dit qu'il viendra. D'accord, Koya. Et lorsqu'il viendra, nous tous mon côté à Komata la montagne. Et personne ne montera sur la montagne. À Kotia, limite à sceller la montagne. Il mettra la limite pour sceller la montagne. Mais un jour, le Baboui. Mais il dit ceci. Verset 24. Toujours Exode 19. Toujours Exode 19. Et ça l'a dit quand? C'était quand, bien aimé? Dans le verset premier Exode 19. Le verset premier. J'ai dit au nom de Jésus-Christ. Amen. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte. Santa Yamisato Simayakomimanabango Namboke Ezipito. Est-ce que les rois a déjà si va établir Aaron Abanabango comme sacrificateur? Est-ce qu'en ce temps-là, Aaron et ses fils étaient établis comme sacrificateur? Non. Maintenant, dans le verset 24. Maintenant, le verset 24. Jour l'écriture. Le jour de cette écriture. Oui, c'est la troisième mois, première année. Verset 24. L'Éternel lui dit. Yahweh a initié. Dans le verset 24, Exode 19. Le verset 24 de l'Exode 19. Va. Descends. Quitta. Qui montera ensuite avec Aaron? Mais que les sacrificateurs et les peuples ne se précipitent point. Pour monter vers l'Éternel. De peur qu'il ne les frappe des morts. Donc, quand on a prononcé qui dans Exode 19, lorsqu'il avait dit dans l'Exode 19 que les sacrificateurs ne montent point, cela veut dire à moi et qu'il y a ma maturité. Donc, c'est-à-dire qu'il avait refusé d'accueillir les enfants. Parce que tout à l'heure, dit dans Genèse 22, parce qu'on avait vu dans Genèse 22, sacrifier veut dire adorer. Donc, sacrifier veut dire adorer. Mais la montagne, ces jours-là, mais sur la montagne, ces jours-là, à cela qui montagne. Il avait scellé la montagne. Alors les sacrificateurs ont monté. Que les sacrificateurs ne montent pas. Mais Aaron monte. Mais Aaron puisse monter. Sauf qu'on dit, mais Aaron, ça n'a pas même un. Mais si tu poses la question, Aaron aussi, dans la première année, ça n'est pas la bouche. Dans la première année, il n'était que la bouche. Ah. Maintenant, nous nous posons encore la question. Maintenant, nous nous posons encore la question. Non, vous les avez zambés. Non, mais c'est Dieu. À cause de la terre. Il ne mange jamais. Banane, il y a béni ma sacrificateur la première année. Qui est-ce que le Seigneur a appelé sacrificateur à la première année? Nous avons l'Exode 12, verset 21. Nous les prenons dans l'Exode 12, le verset 21.
J'ai le nom de Jésus-Christ. Dans verset 21, Moïse appela tous les anciens d'Israël. Mose avait dit qu'il n'y avait pas de sur les saints. Et l'air dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Les anciens m'ont sacrifié jusque-là. C'est que les anciens qui jusque-là m'avaient sacrifié. Parce que c'était ma première année. Parce que c'était dans la première année. Le Seigneur n'avait pas encore établi les sacrifices. Voilà pourquoi c'est pourquoi nous disons dans la pratique des choses. Ceux qui établissent les anciens, les frères simples comme des anciens. La Bible ne connaît pas cet enseignement. La Bible dit. Il faut faire très attention. Le Seigneur est coquet. Je te livre au nom de Jésus. Il y a un Jacques à l'obagi dans Jacques 3, verset 3. Jacques avait dit dans Jacques 3. Dieu jugera sévèrement les prédicateurs. Ça met la personne qui s'en a ma casse ma taille. Et dans 2 Pierre chapitre 3, Pierre a loué grâce au Ézanabat à Paul. Pierre loue la grâce qui était dans Paul. On va aller dans le verset 14e, dans le 16e. À partir du verset 14 jusqu'à 16. Alors, Paul n'a pas compris comment il y a des choses difficiles à comprendre. Dans ce que le frère Paul a écrit, il y a des choses difficiles à comprendre. Alors, dans les personnes mal affermies, dans l'essence, mais dans le temps de ce salaire, ils auront quel salaire pour cela? Pour les propres ruines. Pour la liberté d'Inabango. Si tu tords le sens de l'écriture, et ça va être exemple. C'est comme je prends un exemple. Je suis un serviteur et je prêche mal. Et je termine le et lorsque je m'assois, président le président du culte s'élève. Nous allons prier. Parce que Dieu vient de nous prêcher. Ce qui est Zamba Teïté. Vous êtes au côté des chrétiens. Tout ça bataille. Parce que. Va la Teïté. Est-ce que c'est moi qui ai prêché? Ah, c'est là. Tu l'attends. L'homme est Jésus. Et demain encore. Au Teïté. Toi, ça pose mon père. Tout ça, c'est l'année qui s'en bataille. Qui sont les gens qui s'en bataille. Ça bataille Jésus. Dieu regarde encore. Est-ce que la Teïté. Est-ce que c'est moi qui ai prêché? Ah, c'est il attend. Vous voyez combien de fractions tu as. Vous voyez combien de fractions tu amasses. Il y a un moment où Jacques avait dit qu'on en a dit qu'il jugera sévère. C'est pourquoi Jacques avait dit qu'il jugera sévèrement les prédicateurs. Donc, tant qu'on a. Et ça veut dire que tout. C'est comme une personne. Sauf qu'il a suivi. Texte et église à Jérusalem. Prend les textes de l'église de Jérusalem, il a la difficulté de voir les anciens et les apôtres. Il n'y a pas l'église de Jérusalem. Sache que l'église de Jérusalem, les fidèles qui étaient avec le Saint-Esprit, les zélés pour la loi. Les zélés pour la loi. Il y a nous, Jacques, a émis ce qui. Paul travaillait. C'est pourquoi Jacques avait dit à Paul. Mais tu dis que vous êtes batoué. Donc, si batoué, batoué, batoué. Il y a parmi nous, donc, parmi l'église, parmi nous, donc, quatre personnes qui ont fait un V. Parmi nous. L'église à Jérusalem. Dans l'église, quatre personnes passent du V. Quatre personnes qui ont fait le vœu. Donc, il y a. Autant la Gatia Véoana entre dans ses vœux là. Salagnon, son ils ont prescrit loi. Pourtant, Baboya fait tout et embrouiller. Que cela puisse les embrouiller. Banagnon, Baboya. Qui viendra? Les gens qui croient en Jésus. La cœur et ma son qui met la Jésus. Très aimé pour la loi. Très aimé pour la loi. Dans Jérusalem. Dans Jérusalem. Une fille vierge. Moi, si. Azalagi de l'Ambana à la tête.
et elle avait sa tunique qu'elle portait. Ce qui est dans l'église, Jésus est l'église à Jérusalem. Si elle croit en Jésus dans l'église, c'est que Pierre a voté dans les anatines. Mais pense toi que Pierre va lui prêcher ça. La vie c'est Christ et Jésus. Et la main de Christ au Jésus. Ancien il y a ma vie, ma voix, on va ma pierre. Les anciens de la ville viendront chercher les apôtres. Parce que ma parent va moins que moi n'a y a rien d'autre à ma vie. Parce que les parents verront que l'enfant a reçu mauvaise chose. Tenir la virginité de l'église dans ma pierre, les araques. Il y avait la tenue de virginité dans l'église. On les a mis l'église de Jérusalem, les apôtres. C'est comme ça que l'église de Jérusalem marchait. Nous faisons très attention. Le Seigneur dit qu'au Kéba. Au moins, il y a un Paul qui a voté à la nation. Lorsque Paul prêchait les nations, alors il y a un peu de temps à colonne. Lorsqu'il croisait le col, il a parlé avec eux concernant l'évangile. Donc, nous avons été à l'église à Jérusalem. En ce qui concerne l'église de Jérusalem, on lui avait seulement donné une chose d'aller ajouter du côté de l'église. Qu'est-ce que cela a été? Vous allez nous démontrer l'enseignement. Comment est-ce que tu as démontré l'enseignement? Bon, vous avez toujours pas beaucoup. Pour se souvenir des pauvres. Savez-toi seulement les pauvres, seulement cela. Alors, c'est ce que j'ai fait pour ça. Et c'est ce que je faisais déjà. Et tant que Batala qui m'a la terre, va trouver que Yusuf qui au terre à Jérusalem. A comment la fête. Ils avaient remarqué que si on te laissait prêcher, si on va te lapider. Pierre, tant que l'autre terre, parole n'a pas Jacques. Lorsque Pierre prêchait la parole avec Jacques et les autres, dans l'église, comme ils étaient dans samedi, le samedi, ils diront à leurs fidèles, il n'y a pas culte le samedi. Donc, ils ne coûtent pas à la danse. Montons tous là-bas au temple chez les sacrificateurs. Si on a dit dans Acte 3, il y a cette église de Jérusalem, dans Acte 3, ce n'était pas l'église de Jérusalem. Quand Pierre n'a jamais monté à la culte. Lorsque Pierre et Jean montaient à la culte. Il est la culte à c'était à l'heure du culte, le sacrifice des victimes. Pierre a voté sa sabbat. Et Pierre respectait le sabbat. En ces temps-là. Mais croyants, c'est ça l'enseignement qui existe à Jérusalem. Il y a modélité église à Jérusalem. Sauf une église à Jérusalem. Si dans l'église de Jérusalem. Neti, un ancien roi a possédé la ville physique. Oui. En limite parole. Un ancien qui surveillait physiquement la vie croit à la parole. Pierre a volé ancien et à vie. Pierre ne va pas le dépouiller de son ancien. Hasard ancien et à ville par rapport à la loi Moïse. Il est ancien de la ville par rapport à la loi. Mais là où a aimé Jésus-Christ. Mais ici, il a cru en Jésus-Christ. Ah, est ancien. On va les laisser anciens. Parce que Pierre va comparer. L'église à Jérusalem. Parce que beaucoup ne comprennent pas l'église à Jérusalem. Il y a un Paul. Hein? C'est pourquoi Paul, dans la zone de sa titre, lorsqu'il disait à titre, à son le délai, c'est le docteur de la loi. Il lui parlait sur les docteurs de la loi. Qui prêchait l'évangile. Ouais, ça a qui côté à alors, on est docteur à la loi. Il n'y avait pas de prière qui soit docteur. Attends, on est allé pour travailler la prudence. Donc, à ces temps-là, tu devais travailler avec la prudence. Dans ma bête à ma Paul. Lorsqu'on avait chifflé Paul, parce que je ne savais pas. Je ne savais pas parce que et comment il n'ira pas le mal le chef de ton peuple. Mais comment il est dans mon véritable chef, c'est Jésus-Christ. Mais il savait en lui que le véritable chef du peuple, c'est Christ. Mais par rapport à les gens qui ont la loi. Mais par rapport aux gens qui ont la loi. Il fallait qu'ils sachent comment marcher avec eux. Il y a un pour remarquer. C'est pourquoi tu vas remarquer. Livre à Timothée. Le livre de Timothée. Batika qui Timothée n'a pas à Éphèse pour régler ma cambo et Zalatina nous régler. On avait laissé Timothée à Éphèse pour régler les choses qui devaient être. Ce qui m'a pour aspirer la charge évêque bien ancien. Si les gens aspirent à la charge d'évêque, ils désirent une œuvre excellente. Mais dans la seconde, dans 1 Timothée 5. Mais non, regarde dans 1 Timothée 5. L'être humain est guérit place d'anciens basalamité. Et cette lettre va là où il n'y a pas encore des anciens. Maintenant dans 1 Timothée 5. Maintenant dans 1 Timothée 5. La même lettre. Dans la même lettre. Avant le baguette, il y a des anciens où ils vont servir à la parole d'eux.
Il parle des anciens qui ne servent pas à la parole. Et ceux qui ne remplissent pas bien leur ministère. Il faut pas dans la mépris. Et ce qu'il ne va pas mener à ma peau. Mais les anciens n'étaient pas encore dans l'église d'Éphèse. Où est-ce qu'il avait pris les paroles qu'il avait dites à Jérusalem? Parce que Paul a eva dit que Nenga Lubaka, ma lettre n'est aussi pas toi loi matanga. Et Paul savait que ses lettres étaient lues aussi par ceux-là qui étaient sous la main. Et Dieu bénisse. Amen. Ma lettre n'est pas comme la bandini à Jérusalem. Et ses lettres parvenaient aussi aux fidèles de Jérusalem. Prudence. C'est pourquoi il parlait avec prudence. Pour constater que Moutabozala, ancien, ma servir à la parole. Ne pense pas que quelqu'un peut être ancien sans servir à la parole. Par rapport à Kao et l'église à Jérusalem, les années. Là, c'était par rapport au cas de l'église de Jérusalem. Que Dieu bénisse. Amen. Donc, c'était pour tout continuer. C'est-à-dire pour continuer. On va remarquer que ma sacrificateur, oui. Vous allez remarquer que ces sacrificateurs, ce sont des anciens. Ils allaient quitter ma papa. Parce que ma sacrificateur va être en deuxième année. Parce que les sacrificateurs sont établis. Aaron et ses fils. Maintenant, remarquez l'Exode 24, place pour ceux qui s'en aiment l'eau. Maintenant, remarquez dans l'Exode 24 où nous allons nous arrêter. À partir du verset premier. À partir du verset premier. Dieu dit à Moïse. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Monte vers l'Éternel. Mata et Païnaïa. Toi et Aaron. Yopénal. Nadab et Abihu. Nadab et Abihu. Et 70 des anciens d'Israël. Bapaka 70, Yaman et Salim. Awa Pessi, ancien, c'est là la montée. Ici, il a donné accès aux anciens de monter. Et va vous monter pour la nuit. Et pourquoi? Et vous vous prosternerez, c'est pour l'adoration. Et puis, nous, au Kongumba, Mana Osika, les apôtres. Et Dieu bénisse. Amen. Mais remarquez. Moïse s'approchera seul de l'Éternel. Simon s'approchera d'un lieu. Les autres ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse veut apporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel. Et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Moïse les avait toutes écrites dans un livre. Pourquoi? Parce que c'est là que Moïse a dans l'Éléboïa testataire. Parce qu'il fallait que Moïse soit le signe du testateur. A dans la tombe, on a commis testament. Soit comme celui qui écrit le testament. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel. Puis il se leva le bon matin. Donc cela veut dire tant ma commune malobanion soit en Zambé. Cela veut dire lorsqu'il a écrit toutes les paroles de Dieu, à la bouche. Il s'était endormi après. Oui, parce que mon ami, c'est l'Eva. À la moutaki. Donc après avoir écrit, à la moutaki, il s'endormit. Mais maintenant, à la moutaki. Alors il s'éleva. Pour la nuit des abonnés. Bon, il faut même signe à la terre à montagne. Parce qu'il doit amener les adorateurs sur la montagne. Les anciens. Bampaka. Faut montagne à Bango. Il doit monter avec eux. Mais à quel endroit mon corps a su maman battre à Bango? Non. Il ne les avait pas pris directement. Il fallait la mal à la pongi. Il fallait d'abord qu'il puisse se faire. Vous savez bien ce sommet. Avant que l'adoration la montagne Salema, il faut la mort du testateur. Avant l'adoration sur la montagne, il faut la mort du testateur soit constatée.
endormi dans sa vie et il s'éleva de bon matin. Alors il prit tous les jeunes hommes de toutes les tribus pour sacrifier. Cela veut dire que le royaume des sacrificateurs. Cela veut dire le signe de tout Israël qui devient royaume des sacrificateurs. Après Pongi à Moïse. Après le sommet de Moïse. C'est pourquoi Hébreu le testament est contre ta vigueur, ce qui testataire a confi. Mon candidat, il y a Milaka et Anzambé, comme à Kamakasi, il y a Livoy à mon communal. Donc pour l'adoration, on est salement. Pour que cette adoration-là se fasse. Et que les sacrificateurs. Et que les sacrificateurs. Oh, la zone là. Des anciens pas monter. On appelle les anciens puissent monter. Il faut le sommeil de Moïse. Il faut le sommeil de Moïse, Panama. Et comme dans la réalité. Et comme dans la réalité. Dans un d'abord, dans l'ombre, dans la prophétie que Moïse a dit. L'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. Moïse a béni sa parole tout pour la consacrement pour le colandal. Ce prophète-là le dit dans Jean 4. Ce prophète-là dit dans Jean 4. Dans verset 23-24. Au verset 23 et 24. L'air vient. Tant que les animaux. Et il est déjà venu. Et si il est. Oh, Dieu est très merveilleux. Parce qu'il faut lui raconter à l'église, là, ici, Canaïa. Parce que tu dois mettre l'église à sa place. Église, l'église, basant l'adorateur et à Christ Jésus. C'est l'adorateur du Christ Jésus. Quel que soit le problème, quel que soit le problème, on est compris qu'il y a, qui peut surgir, il est baboué. Ça, c'est ça. Il y avait 12 tribus d'Israël. Et ça là qui n'a pas compté à Zominami Balaïsalé. Bazala qui n'a pas famille, n'a pas monné Bazala. Qui avait leur famille respective. Mais n'a tout le Yamanazan. Mais sur la poitrine du souverain Saint. Et ça là qui n'a pas pierre précieuse. Il y avait aussi des pierres précieuses. Il y a l'Iboso et ça lui-même, pierre précieuse. La première pierre, Ruben, pierre précieuse. Mais Ruben n'a pas fait un camp. Mais Ruben était aussi dans le camp. Donc famille est réunie par le camp. Donc la famille est réunie. Donc on coûte l'erreur dans la tête. Tu peux trouver l'erreur dans les. On gagne l'idée. Et tu les. On corrige. Tu les corriges. On pense à la paix avant la tombe à sacrificateur comme une pierre précieuse. Il n'oublie pas que Judas se retrouve aussi dans la tête dans une pierre précieuse. On lui monte la canne. Tu peux voir Dan dans le camp. Au moins, il y a un an à camp. Tu le vois dans le camp. Mais à ça, il va dans la canne, on a tout le temps. Mais c'est une pierre précieuse. Il va dans la canne. La poitrine du souverain sacrificateur. On pense à la modèle. Ne l'oublie pas, bien aimé. Mais dans le camp. Mais dans le camp. Problème est gros, ça. Le problème est arrivé. Tikaboué. Ça va, boué. Mais c'est ça. Tikaboué. Mais tournez-lui selon ce natoloya. Souverain sacrificateur. La poitrine du souverain sacrificateur. Abonnion sur la base de la pierre précieuse. Et tous ce sont des pierres précieuses sur la poitrine. Amen. Dieu bénisse. Amen. Il y a mon cas où le papa cette église va reprocher ça. Je dis ceci parce que dans les sept églises, il y a le reproche. Il n'y a que deux églises. Les Anakanabi 13. Oui, je suis reproché. Qui n'était pas reproché. Les Anakasimir. L'église des Simeon. La Philadelphie. Et l'église de Philadelphie. Donc voilà comment on a un mot pour la nièce. Nous verrons. Tant que vous comptez. Lorsque nous y entrerons. Smith a soi réprimandé. Exhorté à la persévérance. L'église de Smyrne n'était pas réprimée. Reproche ça de l'église de Smyrne. Il n'y a pas de reproche dans la Philadelphie. Et l'église de Philadelphie. Ah. Et on sera dans ton compte pour expliquer par la grâce. Tout cela nous allons l'expliquer par la grâce. Mais d'abord, la route est ça qui est le peuple de Dieu et des nains. Maintenant, je montre qui est le peuple de Dieu. L'imote est ensemble. Le peuple de Dieu. Et ça, l'imote aux âmes à combien n'a pas été appréciance naïe. C'est le peuple que le Seigneur a caché dans sa préscience. Et Dieu bénisse. Amen. Et les peuples et qui n'a construit. C'est le peuple qui est entré dans la richesse de Dieu. Donc la richesse de Dieu, c'est la nature, la vie, l'amour, bolima, la foi, piété, la piété, connaissance, la connaissance, la patience, vertu. Donc, Isaïe Yamalam,
Vous aurez la parole de la 2 Pierre 1, la nature de Dieu. Dans 2 Pierre 1, la nature divine. Et Dieu bénisse. Amen. Donc ce qui est dans ta tête, il y a un mot, je comprends. C'est que dans tout cela, tu comprends. Dieu n'a pas répétition. Le Seigneur dans ses répétitions. Awana Zika Damikamboete. Ici je prends ce nom. Attends en bas le Melaki Moïse. Matapena Bancien Baya Pona Badore. Même si le Seigneur avait dit à Moïse de monter avec les anciens. Moïse a matana na mumba la nobote. Moïse n'était pas monté avec les anciens. A combiné toutes les paroles de l'Éternel. Il a commencé d'abord par écrire toutes les paroles. On combat toutes les paroles de l'Éternel. Écrire toutes les paroles de l'Éternel. Azalaki elemonaye mon consambé. Il était le signe de lui-même Dieu. Le lait a fait sa parole. Et pas Moïse, et pas Josué, et pas ma prophète. Comment est-ce qu'il a donné la parole à Moïse? Je suis tout le prophète. Mais ça y est, on est sous la dignité de Dieu. On s'écrivait sous la dignité. Toutes les paroles de l'Éternel, les Arabiouana. Il y avait toutes les paroles de l'Éternel. Nabamos, Babdias, Babdias, Zacharie, Dieu écrit. Toutes ces paroles. Après, t'as voici ici. Après, lorsqu'il y a Jean-Baptiste, jusqu'à Jean, à la Lipoque. Il s'est endormi. Dieu bénisse. Ah. C'est ça le mouvement. Après cela, alors il prendra les adorateurs pour les amener dans la montagne. C'est pourquoi il faut croire. C'est pourquoi il faut croire. Tel que tu es là. Osa pekuna na makolo. Tu es aussi là-bas dans les cieux. Osa kuna. Tu es aussi là-bas dans les cieux. Nous sommes morts avec Christ. Donc, une fois qu'il a pu ressuscité avec lui. Et assis dans les lieux célestes, dans ma pierre précieuse, dans ma bande à nous sommes là-bas dans les lieux célestes. Alors, il y a un temps à Jean 4. Voilà, il y a pour comprendre que là, c'est pour comprendre l'église, l'église, les adorateurs, c'est les adorateurs, ma vraie adorateur, les vrais adorateurs. Quand on dit vrai adorateur, c'est en esprit et en vérité. Jean 4. Jean chapitre 4. Verset 23. Le verset 24. Mais l'air vient. Nous lisons le nom de Jésus-Christ. Amen. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que Dieu le Père demande. La vérité doit être la base. La vérité doit être ta base. Aux femmes de l'endemain, qui tu es si maillot à la vérité. Donc c'est la vérité qui doit te saisir. C'est très important. Les amis ont tout bien. Aux vérités, on est au bon maillot. Parce que c'est la vérité qui va te préserver. Pour que puisse être. Le Seigneur avait donné au fils de Gershon. Le char. Gershon, moi, n'a pas de Gershon, le premier fils de Gershon. En lisant l'Exode 6. Asa parmi, on a Isana Merari, na Kéat, Asana 3. Ils sont au nombre de 3. Kéat, Asana 15e fils. Et Kéat, c'est le 2e. Ako, on a pas, na Nisato, ma famille, on a des Asana pour s'occuper, Yakomema tabernacle. Et c'était cette famille qui était chargée de porter le tabernacle. Et famille, nous sommes là, y a l'aide. Toute cette famille de l'aide. Ako, on a des. C'était eux. Mais la presse. Mais le prince va pesa va pesa va char avait donné le char. Quand la Kéate n'a pas utilisé char, c'était seulement les Kéatites qui l'utilisaient. Kéate n'a pas utilisé le prix. Les Kéatites utilisaient le prix. Parce que la commune de Mamino, il y a sanctuaire, donc il y a rien très simple. Parce qu'il portait les choses qui étaient dans le sanctuaire. Et là, la table est pleine de propositions. Et les tables, la table est pleine de propositions. On a mis aux autres, on a un nombre 4. Tout cela, tu vas les lire dans nombre 4. Même nous te l'avons même un tabernacle, ma tapis. Oh, nous sommes même un tabernacle. Mais celui qui a apporté pour aller. C'est Gershon. C'est Gershon. Azabon, mais maman a été gâté. Il ne le
portée par la charge. C'était sur des chars. Azaki n'a deux chars. Il y avait deux chars. À la gauche, quand on a démonté le tabernacle, le mien se battait pour la charge. Il est bleu. Or, psaume 104, même la bannière comme son char. Or, psaume 104 appelle nuée le char. 1 Thessaloniciens 4, le dit que tu as monté sur des nuées. Parce que tu sais que tu as monté dans ma patte. Et là, tu as monté. Donc, nuée, c'est une voiture. Donc, c'est comme la voiture. Hein? Quand on dit monté sur des nuées. Comme Mata Nicolas, ma patte. Mais ça, tu as monté dans la moto. C'est comme tu montes sur la moto. Parce que le nuée est un char. Parce que le nuée c'est le la, char. Ce qui a été. La char n'est pas comme ma tabernacle. C'était le char qui portait le tabernacle. Amen. Vous êtes dans la maman. Amen. Au tabernacle, c'est le corps de Jésus-Christ. Alors, le tabernacle, c'est le corps de Jésus-Christ. Et le corps de Jésus-Christ, c'est un ganaïo. Et le corps de Jésus-Christ, c'est l'église. Ecclésia. Il est comme le char de Dieu. C'est l'avenir qu'il y a des chars qui vont nous amener. C'est la parole et l'esprit. Les amis, nous l'ont appelé mon limo. Et Dieu bénisse. Amen. Yamouanande. C'est ça, bien aimé. Ceux qui ont gardé la parole jalousement. Si tu gardes jalousement. Papa Yamonde, bon et maillot. Et c'est cette parole qui va te porter. Bon, yo, il faut qu'on m'a donné la parole. Parce que toi aussi, tu vas devenir comme la parole. Donc, quand nous te le bataillons, c'est un peu comme ma parole. Lorsque nous prêchons, c'est pour que tu deviennes parole. Pour les cater. Pour que tu ne passes pas. Parce que la parole, lui, ne passera jamais. Mais qu'il y aura des côtés à la parole. Alors, quand nous y avons dit des paroles. Lorsque toi, tu deviens aussi parole. Parole est pour toi. Et la parole viendra aussi te prendre. Vous voyez, dit. Tu sais. Et lui, il est pour toi, il est char. Et lui, c'était le char qui était venu le prendre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont une définition, hein. Mon père, char d'Israël. Donnez-moi le char et il y a qui besoin de char. C'est-à-dire, les chars étaient venus prendre les chars. C'est ça. Parole est la parole. La parole n'est porte que la parole. C'est très important. Les amis n'ont plus à quand nous parlons, ils ont pensamment. Lorsque la parole est dispensée, ils ont ça à quel sous-moi qui m'a aidé à la musique en ailleurs. Afin que le péché soit loin de toi. On sentit que la tête n'a pas conscience qu'il culpabilité dans vous. Christ Jésus a déjà pourquoi pour moi dans la montagne. Christ Jésus s'était endormi pour que tu montes à la montagne. À Koufaki et Koulusu. Il était mort à la croix. À ce Paki Makila. Il avait versé le sang. Pour nous pardonner notre péché. Pour pardonner notre péché. Il faut d'abord avoir conscience pure. Il faut marcher avec la pure conscience. La tête de ceux qui m'appellent, ils allaient répare-toi. S'il y a le mal en toi, il faut te répondre. On doit sentir les gens comme où ils ont tout mis à mon thème en ailleurs. Tu sens quelque chose tourmenté ton cœur. Il faut l'abandonner. Salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tu sois les aliwa. Ils ont le salaire, nous soutenons. Le péché n'a pas de c'est la mort. Les aliwa. Et donc, on y en sort pour ça. Tout ce que tu peux faire. Il faut y embarquer. Tu dois savoir. Vous en avez ta naissance. Tu as une date de naissance. Avant toi. Avant toi. À tout ce il y avait des gens qui t'avaient précédé. Les seigneurs. Matoana Makenda. Ces gens-là sont partis. Il est resté Dieu. À toi le dit que la mosambe la gaz sous terre. Si tu dis je ne veux plus prier. À cause de la gaz. Il restera Dieu. C'est souvenir aux anges de la naissance. Quand tu dis je ne veux plus prier, souviens-toi que tu es une dame. Et avant, yo, t'as un ton zambé. Il était Dieu. Paix à vos anges de la et il restera Dieu. C'est pourquoi Dieu n'est pas en fait qu'au monde est là. T'as tout dit qu'au monde est là. C'est pourquoi nous venons chez Dieu. Nous sommes qui t'ont et nous nous rabaissons parce que nous ne sommes rien. Oui, papa, qui est un amis pour la mission. C'est lui qui est tout pour nous. Il est un ami. C'est lui qui est notre richesse. Nous nous rappelons. Et lui s'élève. Voilà, il faut naïebata boyo poyebata. Là, nous devons le savoir. Et lui a le bâti, si tu pêches, ce que sont. Tort lui nous tient pas là. Quel tort lui cause-tu? Yomoro l'année au nuit na âme na yomo. C'est toi-même qui nuis à ton âme.
La sainteté est utile pour la puissance. La sainteté est utile à nous tous. Tika engagement nous sur le monde que la parole est le projet. Abandon tout engagement réprouvé par la parole. Et nous connaissons ces amadés. Tout ce qui est mal. On ne parle pas de ce interdit. Et la parole est interdite. Tika au nom de Jésus Christ. Abandon au nom de Jésus. Le salaire du péché, c'est la mort. Il faut que tu y a du souffle. Et ça, nous ne pouvons pas souffrir. Cela n'a pas été. C'est la mort. Mais la merde est la vie. Mais sur la vie, bien aimé. Si vous prenez l'eau pour eux, les gens à Katina, vous tournez les ongles. Si tu vois la résurgence des péchés, trouve les serviteurs de Dieu. Vous vous en délivrez. Et tu seras délivré. L'onction du Seigneur, c'est pour la délivrance. Et pas pour la délivrance. Jésus-Christ a dit dans les 4. Jésus avait dit dans les 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mon livre est Yahweh, ça dit. Il m'a envoyé pour proclamer la bonne nouvelle. Pour la compagnie. Non, la oui, moi. Proclamer la bonne nouvelle. Rendre libre les captifs. C'est ça la oui, loi. C'est pourquoi tu vois. Et pas à veuve. À la veuve. C'est lui. C'était lui. C'était prévu que pas candidatera. C'était prévu qu'on puisse. Mais il est rendre libre les captifs. Mais qu'est-ce qu'il devait rendre libre? La bouteille d'huile. La bouteille d'huile. C'est lui qui libère. C'est lui qui libère, bien aimé. Amen. Même l'église, à tes prises, s'il n'y a pas de lui, il n'y aura pas la vie de Dieu dans l'église. C'est lui qui délivre. Ça m'a foutu à mes tangos. Il y a un monde transformé. C'est ce qui transforme. Et je rendrai mon plus léger comme l'aigle. Il rend l'homme plus léger comme l'aigle. Afin que c'est que la matabazamé. Afin qu'il se réjouisse les choses de Dieu. Cette huile-là, il ne voit qu'à poignons sur la prise. J'ai un bouton, c'était dans la sainteté. Et l'homme se réjouit de la sainteté. C'est ça le rôle de l'huile. Donc, c'est que avant de nous par la grâce de Dieu, si nous nous arrêtons là par la grâce de Dieu, donnez tout simplement sur les sacrificateurs, c'est l'adorateur. Nous avons parlé tout simplement des sacrificateurs comme et le Seigneur nous a fait un royaume des sacrificateurs. C'est que l'église est allée par vrais adorateurs. L'église, c'est le vrai adorateur. Donc, quand on voit l'église, lorsque tu vois l'église, l'église, et ça parle de ma parole et tombe en mangana. Celui qui est compté dans l'église, c'est celui qui dit que la parole s'élève et que je l'avais. Ce qui parle de prochain gars, si la parole même, là c'est prosterné. Je me prosterne. C'est ça l'église. La bonne église. L'église est tombe là. Ce sont des adorateurs. L'église, c'est les adorateurs. Et ça pour les testateurs en dimanche au fat. C'est parce que les testateurs avaient consenti là. En dimanche qu'on a la pongue. Il avait accepté. Il est amené son angomba. Et après il nous a amené sur la ngomba et tel il s'en a pouvoir. Et la montagne parle du pouvoir. Et tel il s'en a royauté. Il a parlé de la royauté. Il y a beaucoup de monde à la pierre. Oui, c'est détaché qui s'en a le secours d'Okine. C'est pourquoi la pierre qui s'est détaché s'en a le secours. Et ça n'a pas qui statue. Et comment la montagne? Et comment tu n'as pas donc, montagne, c'est tout un royaume. Donc, montagne, ça va continuer. Donc, si on t'amène sur la montagne, si tu t'amènes sur la montagne, c'est là, venir dans l'option là. Royaume créé à son nom. C'est-à-dire qu'il te fait retourner dans son royaume. Appelle-y au pouvoir. Il te donne le pouvoir. Il y a qu'à chasser les démons. Il y a qu'à péter dans la vie, ma mère. Il y a qu'à vivre la sainteté. Vivre la sainteté. Parce que quand on est enfant de Dieu, Jean chapitre 1er dit, Jean chapitre 1er dit ceci. Et l'un venu chez les siens, les siens ne l'ont point reçu. Mais à tout ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est tout un pouvoir. Donc le fait d'être enfant de Dieu, et ça a une autorité, et ça a une continuité.
Au contact de la tombe de Jésus Christ, tu vas confesser le nom du Seigneur Jésus. Au coin des mains de la terre, n'a pas sa valise en paix à Pomor. Tu vas élever sa grandeur parce qu'il est le Dieu. Il y a ses pères qui coupent. Lui qui avait consenti de. Pour ça, la gagne à un royaume des sacrificateurs. Le royaume des sacrificateurs. Assieds-le sur la montagne. Il te met sur la montagne. L'autorité à royaume là. L'autorité de son royaume. Afin de vivre l'adoption. Que tu vives la vie. Que tu sois enfant. Au contact de la haine, à bon amour, ça s'allait. Au salé, à ma coquille, à Socolo. Tu es le Dieu de toute ta passion. Au salé, mon conti, à ma conti, et son Christ. Tu es le roi du roi. Au salé, pour les nassos roches. Tu es la véritable lumière. À salé, contact pour la haine. Je confesse ton nom, c'est parce qu'aux amis, mon souffle. Parce que tu es le grand Seigneur. Nazali pour tout Missaïo. Je passe le Koufa qui pour moi. Parce que tu étais mort pour moi. Au sopa qui m'a quitté. Tu avais versé le sang. Pour éteindre la vie. Pour que je sois sauvé. Au Limbissima Bougana. Tu as pardonné mes péchés. Au Longolimbin dans la Gatina. Tu as enlevé tous mes suivants. Au Seigneur. Seigneur. Au Komalisumu. Tu es le Dieu. Misalanyo sona boni di yoso mona. Zambe, tia koina
l'autorité. Parce que Bible le dit, le diable rôde tout autour de nous comme un lion rougissant. Recommandation du Seigneur des hommes, c'est sauvé. Gracias.
Makabu menabatim, hein?